Bonjour à tous, merci M. Marenco de m'avoir sollicité pour parler des complications, incidents, accidents de la sonde à demeure et du cathéter suspubien. Alors le drainage vésical, ça existe depuis déjà la nuit des temps, mais quand même on doit, professeur Follet, l'arrivée de la fameuse sonde éponyme qui repose sur le concept d'une double tubulure avec à la fois une tubulure pour le drainage des urines et une tubulure avec un ballonnet qui va permettre de maintenir la sonde urinaire. Alors l'originalité de la sonde de Follet, elle repose sur l'utilisation lors de sa création de latex, puisque par rapport aux sondes qui existaient auparavant, qui étaient des tubes rigides, qu'on utilisait dans le traitement de la rétention, c'est un tube qui est cette fois-ci flexible, qui est waterproof, et qui malheureusement a le problème de la cytotoxicité et qui va voir apparaître de nombreuses complications de type urétrite, sténose et surtout les phénomènes d'encrustation qui sont un des problèmes de ces sondes urinaires. Alors progressivement, le latex s'est amélioré avec l'utilisation d'un élastomère en silicone qui permet de diminuer la cytotoxicité. Et puis aujourd'hui, des cathéters beaucoup plus modernes qui sont entièrement en silicone, qui sont beaucoup moins allergisants, avec une diminution de la force de friction, et qui sont également recouverts d'un revêtement hydrophile qui donne des surfaces beaucoup plus glissantes et qui constituent encore un marché dans le domaine de l'urologie extrêmement important, comme vous pouvez le constater sur ces données économiques des États-Unis avec 30 millions de sondes de Follet vendues par an. Alors, le problème maintenant, c'est les indications de la sonde urinaire à demeure. L'indication, il y a une indication du port de la sonde urinaire, c'est la rétention. Bien sûr, il y a quelques indications spécifiques en termes de chirurgie pelvienne ou prostatique, lors d'anesthésie générale prolongée, lors de chirurgie avec un risque hémorragique aussi à une indication spécifique du chirurgien, mais on voit bien que cette indication de la rétention urinaire, elle n'est pas toujours respectée, puisque notamment dans les institutions et chez les patients âgés, les indications sont largement débordées avec les pauses en cas d'incontinence urinaire et notamment avec le personnel limité qui conduit à poser facilement une sonde urinaire plutôt que de changer les protections 3 fois par jour. Alors, on va s'attarder aux complications liées au port de la sonde urinaire et on verra tout d'abord les complications non infectieuses par rapport aux complications infectieuses. Alors, quand on parle de sonde urinaire, on pense tout d'abord à infection urinaire. Et en fait, on voit que dans les complications de la sonde urinaire à demeure, ce qui va prédominer, c'est les complications non infectieuses liées à l'inconfort de la sonde urinaire, liées aux gènes, liées aux urgences mixtionnelles, aux hématuries, et surtout aux lésions urétrales. Finalement, les complications infectieuses, elles occupent que 10% des complications par rapport aux complications non infectieuses. Alors, ces complications non infectieuses, c'est quoi? Effectivement, c'est les complications liées à la mise en place de la sonde urinaire, avec les lésions de sonde que l'on connaît tous, hein, et la réalisation d'un hypospade, qui vont littéralement transfixier la paroi urétrale. Mais également des lésions endo-urétrales, hein, comme vous voyez, liées au maintien du port de la sonde urinaire au long cours, avec la réalisation de véritables urétrocèles, de fausses routes urétrales, ou si malheureusement le ballonnet est gonflé dans l'urètre avec l'apparition de lésions urétrales authentifiées sur cette radiographie. Hein. Et puis, il n'y a pas que les lésions liées au port, à la mise en place de la sonde à demeure, mais celles liées au maintien de la sonde à demeure, notamment chez les sujets âgés, pouvant créer des véritables arrachages de sonde liées à la mauvaise tolérance de la sonde urinaire, comme on l'a vu tout à l'heure, et majorées par la présence des troubles cognitifs. Les sténoses urétrales, elles sont en lien avec les lésions urétrales d'origine iatrogène, liées à la fois au traumatisme urétro, et puis surtout au matériel, même si celui-ci a beaucoup évolué, et notamment à la cytotoxicité des sondes en latex. Bien évidemment, ces sténoses urétrales, elles sont liées au traumatisme urétro, elles sont dépendantes de la qualité de la mise en place de la sonde urinaire et donc de la formation du personnel médical et non médical mettant en place cette sonde urinaire.
On a parlé d'un des symptômes qui sont fréquemment rapportés, c'est la mauvaise tolérance de la sonde urinaire avec des symptômes d'hyperactivité vésicale, sensation de brûlure ou de gêne subpubienne qui peuvent survenir dans plus de 50% des cas et qui vont majorer la durée d'hospitalisation liée à l'inconfort de la sonde urinaire. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'études dans la littérature qui se sont attachées au traitement souvent lié à ce cathéter related bladder dysfunction syndrome. Et notamment, on sait que le fait de prescrire de l'oxybutynine va permettre de diminuer, améliorer la tolérance de la sonde urinaire, comme l'utilisation de paracétamol ou de tramadol. Vous voyez qu'on s'est même intéressé à l'intérêt du port de bloc anesthésie vinapulando, qui va permettre également de diminuer ce symptôme, mais on peut retenir un traitement très simple, qui est simplement la diminution du volume de ballonnette de 50%, qui va permettre d'améliorer la tolérance de la sonde urinaire. Alors finalement, est-ce qu'il faut choisir une voie transurétrale, est-ce qu'il faut choisir une voie suspubienne? Il faut bien prendre en compte les avantages et inconvénients de chaque voie, en sachant que si la voie transurétrale peut entraîner des complications locales liées au maintien de la sonde urinaire, la voie suspubienne n'est pas non plus dénuée de complications, avec un risque d'hématome, de perforation rectale, ou de surinfection locale liée au port du fil, et que si l'inconfort est plus important par voie transurétrale que par voie suspubienne, la problématique va être liée essentiellement à la pose. Il est plus simple de proposer une pose de sonde par voie transurétrale et surtout de proposer un changement de sonde par voie transurétrale qui sera faite par une infirmière à domicile, alors que la voie suspubienne reste un geste chirurgical et nécessite un opérateur formé et nécessite un changement en milieu médical et donc nécessite le déplacement des patients au cabinet ou en clinique. Alors, quels sont les risques de complications infectieuses liées au port de la sonde urinaire à demeure? On sait qu'il existe une bactériurie systématique liée à la présence d'un corps étranger dans la vessie et à la création du biofilm sur la paroi vésicale, sur le cathéter. Il y a une contamination qui apparaît dès les premiers jours du port de la sonde à demeure et qui est systématique au bout de 30 jours de port de cathéter endovésical. Néanmoins, s'il y a une bactériurie, elle reste dans la majorité des cas asymptomatique, surtout avec la mise en place d'un système clos stérile. Et on parlera d'infection urinaire associée aux soins uniquement s'il y a des symptômes locaux de bactériurie, tels qu'ils sont définis par les dernières recommandations de l'AFU. Le risque de symptômes d'infection urinaire sera d'autant plus important qu'il y a un port prolongé de la sonde urinaire à demeure, puisqu'il y aura notamment une majoration d'inflammation du tissu prostatique, surtout s'il y a un port d'échérichia connu. Alors, le fait qu'il y ait un corps étranger dans la vessie va majorer le risque de survenue d'infection urinaire et notamment la création d'un biofilm. Ce biofilm, en fait, va apparaître très rapidement au contact du cathéter avec la création d'une matrice autour du cathéter. Et cette matrice autour du cathéter va générer une cristallisation des différentes protéines, créant des cristaux de struvite et d'apatite sur la surface du cathéter. Ces cristaux vont entraîner la création d'une incrustation sur le cathéter et entretenir le risque d'infection urinaire récurrente et surtout le risque de lithiase. Alors, il y a un germe qui va encore plus majorer le risque de cristallisation au niveau de la surface du cathéter. C'est le Proteus mirabilis qui va alcaliniser les urines. L'alcalinisation va augmenter la protection d'ammoniac et donc d'uréase. Et ces uréases vont majorer la formation de biofilm sur le cathéter. Alors, bien évidemment, ce biofilm va entraîner l'augmentation de lithiase vésicale, d'autant plus que le cathéter
est mise en place au long cours, au même titre que le cathéter suspulien, et bien évidemment de façon plus importante que le cathétérisme intermittent, quel que soit l'âge, le sexe ou quel que soit l'âge ou le sexe. Ces lithiases vésicales sont étroitement corrélées à l'incrustation du cathéter. Qu'en est-il du risque de cancer de vessie? On a longtemps rapporté une majoration du risque de cancer de vessie dans les populations de patients blessés médullaires. Cette dernière revue de littérature rapporte effectivement un risque de cancer de vessie de moins d'un pour cent des patients, qui va toucher dans les populations de patients blessés médullaires plus souvent des patients âgés de moins de 60 ans, avec essentiellement le carcinome transitionnel à cellules squam et à cellules squameuses, révélé par l'hématurie, et en général pour des durées d'évolution de la neurovessie assez longues, supérieures à 20 ans. Ce sont des cancers de vessie qui sont agressifs, avec une mortalité de presque de 50%, et on retrouve un facteur commun dans ces facteurs de vessie, c'est le port de la sonde à demeure. Alors, le port de la sonde, finalement, dans cette étude, le risque de cancer de vessie est pas si important que ça, puisqu'il est quasiment superposable à celui de la population générale. Et le risque, est-ce qu'il est lié vraiment au blessé médullaire? Est-ce qu'il est lié à la sonde urinaire à demeure? Vous voyez cette étude également intéressante qui s'est intéressée au port de la sonde à demeure chez les patients blessés médullaires et comparée à une population de patients non blessés médullaires. Et finalement, on se rend compte que le risque commun, c'est la sonde à demeure, puisqu'on retrouve un facteur de risque chez les hommes et chez les patients de plus de 60 ans qui est plus important par rapport au groupe contrôle. Le cathéter suspubien par rapport à la sonde urinaire à demeure, est-ce qu'il y a plus de risques? Vous voyez dans cette méta-analyse, on retrouve des risques à peu près superposables en termes d'hématurie, de calculs vésicaux, de risque rénal, de risque cancéreux ou de risque d'insuffisance rénale. En revanche, le port du cathéter suspubien a un pourcentage d'infection urinaire qui semble moins important, malgré le risque d'augmentation de complications locales. Mais la sonde à demeure, quant à elle, a un risque plus important de complications locales urétrales liées à la fréquence des prostatites épididymiques ou de lésions urétrales. On peut se poser la question dans les populations de blessés médullaires du risque de cathéter au long cours. Alors, les études antérieures ont longtemps mis en avant le risque de la sonde à demeure ou du cathétérisme suspubien au long cours chez les populations de blessés médullaires. En revanche, les études plus récentes, où on s'est rendu compte qu'on traitait de façon plus efficace l'hyperactivité détrusorienne, soit par les anticholinergiques, soit par la toxine botulique endovésicale, où la gestion de la sonde était plus régulée, avec un sondage plus régulier, éventuellement des lavages vésicaux, et bien finalement, le risque uronéphrologique ne semble pas aussi important et que la conclusion de cet auteur, de l'équipe de Jacques Corpeau, serait de dire que finalement, le risque de morbidité chez des patients porteurs d'un cathéter suspubien au long cours serait presque superposable au sondage intermittent et surtout avec un taux de satisfaction extrêmement important chez ces patients puisqu'il n'y a pas de fuite urinaire. Et on rappelle que la recommandation de Paul Abrams dans la conférence sur l'incontinence urinaire recommande en alternative aux autosondages le port du cathéter suspubien comme traitement de seconde ligne. Donc finalement, les patients qui sont sous sonde à demeure, qu'est-ce qu'on peut recommander pour prévenir les complications? Il n'y a pas besoin de cathéter imprégné d'antibiotiques, il n'y a pas besoin de cathéter imprégné d'antiseptiques. Il n'y a pas besoin de lavage vésicaux, il n'y a pas besoin d'antibioprophylaxie, surtout pas de clampage. Finalement, une simple toilette périnéale sans antisepsie est suffisante, en évitant bien sûr le port prolongé quand cela est possible. Et quand il n'y a pas d'autre solution, eh ben, on va privilégier, surtout sur le port des cathéters au long cours, eh bien, des cathéters siliconés, bien évidemment en système clos, et que la sonde à demeure
sera changé sans réelle durée bien recommandée, en moyenne autour d'un mois. Mais finalement, on changera la sonde à demeure ou le cathéter subcutané à chaque fois qu'il y a des symptômes d'infection urinaire, à chaque fois que la sonde est obstruée et surtout à chaque fois qu'il commence à y avoir une désadaptation de sonde. Mais on évitera toutes les manipulations et changements de poche urinaire qui n'ont aucun intérêt sur la prévention des infections urinaires. Je vous remercie. Chers amis, je suis ravi de participer à cette réunion quid d'un format bien particulier avec les enregistrements préalables à la réunion et conformément au programme. Je me présente, Emmanuel Charté-Caster, urologue, chef de service à la Pitié et ayant une activité dédiée à l'urologie fonctionnelle, notamment avec l'équipe de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches dans le cadre du réseau handicap de l'assistance publique. Donc, il s'agit aujourd'hui de revoir les complications, incidents et accidents liés aux dérivations urinaires. Alors d'abord, quels sont les objectifs des dérivations? En fait, il y a deux types de dérivations. Il y a les dérivations cutanées continentes, c'est celles qui permettent le sondage par un urètre qui n'est pas l'urètre habituel, parce que celui-ci est inaccessible ou inexistant. Et généralement, ce sont des montages qui sont réalisés pour des patients qui sont à l'autosondage. Ça peut être utilisé en hétérosondage, notamment parce que sur l'abdomen, c'est plus accessible, mais il faut reconnaître que, vous le verrez, les complications sont un peu supérieures. Qui dit dérivation cutanée continente dit que les patients sont autonomes pour se sonder. Et bien sûr, on verra que c'est un préalable permanent. Dès qu'on prend en charge des troubles fonctionnels, le réservoir doit être de grande capacité et à basse pression. Deuxième type de dérivation, les dérivations cutanées non continentes, qui sont réalisées généralement parce qu'on ne peut pas recréer de réservoir. Donc, à ce moment-là, les urines s'évacuent de façon directe à l'extérieur. C'est la poche, la stomie. Et les indications en urologie fonctionnelle sont généralement liées à une situation de marasme périnéal. Quand on est un urètre détruit chez des patients qui ne peuvent pas sonder, soit qui ne le veulent pas, soit qui ont décidé que ça n'était plus leur mode nictionnel. Il est fréquent aussi que ces dérivations, et historiquement, on le verra, soient réalisées pour des sauvetages rénaux. Mais dans ces cas-là, effectivement, ça va permettre au moins de réduire la vitesse d'évolution d'un sens rénal, mais pas forcément de la stopper. En gros, les objectifs des dérivations, ils sont la plupart du temps dans deux grands cadres, le cadre tumoral urologique et le cadre fonctionnel. Dans Quid, bien sûr, on s'intéresse plus au fonctionnel. Alors, on va d'abord revoir les dérivations cutanées continentes. Quels sont les principes techniques ? Le principe technique, c'est qu'on va chirurgicalement construire un tube qui va connecter la vessie à la peau, ou plutôt à la paroi abdominale. Et donc, ce tube peut être classiquement l'appendice que je vous montre sur la photo. Ça peut être un tube fabriqué avec un ilion, c'est le Monty. Et ce tube va trouver par des artifices un moyen de s'implanter dans la vessie ou la néovessie avec un système anti-reflux pour bien sûr qu'il n'y ait pas de fuite par le montage au niveau abdominal. Et on va le voir, les complications à long terme, ça peut être des problèmes de sténose cutanée ou des problèmes de fausse route. C'est un autosondage qui va être réalisé 4 à 6 fois par jour minimum par le patient. Quels sont les inconvénients de la dérivation cutanée continente? Le premier, c'est que c'est un drainage non déclive. Donc, c'est un drainage qui fonctionne par siphonnage, comme l'autosondage par l'urètre, mais un siphonnage qui se fait une fois amorcé le siphon avec un niveau d'eau. Donc, le fond de la vessie peut ne pas bien se vider et le mucus d'une entéroplastie, s'il y a eu agrandissement de vessie, peut se stagner et faire des lithiases. Et on sait que le taux de lithiase du réservoir est supérieur à la moyenne. Il y a 25% de lithiase à 5 ans. Donc, ça se surveille, ça se détecte, ça se gère facilement. L'autre problème, c'est les fausses routes et les sténoses. Et donc, un des messages déjà, c'est que si un montage de ce type-là est indiqué, il faut au maximum garder l'urètre natif et donc le rendre continent pour qu'il n'y ait pas de fuite par l'urètre natif et qu'il y ait une voie de sauvetage en cas d'impossibilité de sondage. Où est-ce qu'on place la stomie? Le plus souvent, c'est à l'ombilic, c'est anatomique, c'est cosmétique. Mais chez les patients obèses ou chez les patients pour lesquels les reconstructions ne sont pas possibles, ça peut être un peu trop haut situé et on peut être amené à le mettre en paramédian à la demande du patient pour des raisons techniques ou sur la ligne médiane, comme vous le voyez ici chez une patiente pour laquelle je ne sais plus la raison, mais on n'avait pas pu le mettre à l'ombilic. Donc tout est possible, mais tout doit être anticipé avec le patient, notamment pour qu'il n'y ait pas de surprise et qu'il y ait une acceptation de l'astomie pour son sondage ultérieur. Si on prend le taux global de complications, je ne parle pas des complications pair-opératoires ou post-opératoires immédiates dans le premier mois,
je parle des complications à long terme, c'est quasiment 40% des patients qui vont présenter peu ou prou une complication. Elles ne sont pas toutes majeures, mais elles sont réelles. Elles sont réelles et elles doivent être connues. Donc, il y a les difficultés de cathétérisme, on va revenir dessus, l'incontinence par la stomie, et dans les divers, il y a notamment les lithiases vésicales et l'exceptionnelle tumeur de vessie dont je ne parlerai pas trop aujourd'hui. La difficulté de cathétérisme, c'est la plus courante. Ça peut être un patient sur trois. La première difficulté, c'est la jonction peau-tube. Vous savez que dans l'organisme, quand on coud deux tissus qui ne sont pas de même nature, il y a des phénomènes de prolifération à la jonction de ces deux tissus qui font qu'on voit apparaître chez certains patients des cicatrices très fibreuses, rendant le sondage difficile, d'autant plus s'ils se sondent peu souvent parce qu'ils ont un bon réservoir. Et donc, la sténose de la stomie représente plus de la moitié de ces complications courantes. Et le premier traitement, c'est la dilatation par le patient, mais chez un tétraplégique qui a peu de force pour pousser sa sonde, on ne peut pas tolérer une sténose cutanée. Et il ne faut pas oublier que si on fait ces montages-là chez un handicapé, il n'a pas de sensibilité cutanée le plus souvent, donc il n'en souffre pas, mais le patient valide, comme par exemple tumeur de vessie chez la femme, peut être gêné avec des douleurs au sondage. Donc ces sténoses de stomie sont fréquentes. Les autres problèmes, c'est les fausses coudes, les fausses routes ou les difficultés de sondage liées à des coudes. Ça, c'est plus des problèmes techniques, et on verra que c'est des montages qui doivent être faits par des équipes qui en ont un petit peu l'habitude. Donc la sténose de la stomie, quel en est le mécanisme? Je vous l'ai dit, un des premiers mécanismes, c'est la jonction de deux tissus de nature qui ne sont pas faits pour se rencontrer, sauf de façon physiologique à deux endroits, la bouche et l'anus, où on joint la muqueuse digestive, ou disons buccale, à la muqueuse à la peau, et pareil pour l'anus. Donc, on peut imaginer aussi que ça soit une anastomose en tension, qu'il y a un certain degré d'ischémie du tube au niveau de la stomie, et peut-être que l'ombilique, finalement, serait une zone de sténose plus fréquente que les autres, mais ce n'est pas vraiment démontré. Il faut savoir que on pourrait avoir des sténoses plus fréquentes dans les montages. Alors, ce sont les malode anterograde continence enema, catheterization enema, c'est les lavages par voie antégrade pour des raisons digestives. Ces patients-là ne se sondent qu'une fois par jour, voire une fois tous les deux jours, et certains entretiennent le tube avec un petit bouton qui va permettre de garder le calibre. On sait qu'il y a plus de problèmes de sténose chez les obèses, et qu'un des premiers problèmes de sténose, c'est la non-compliance au sondage chez les patients qui ne font pas assez de sondages. Et plus les sondages sont fréquents, moins on a de sténose. Donc, le premier traitement, vous le voyez tout de suite, c'est d'augmenter le nombre de sondages. Les fausses routes qui amènent à des consultations en urgence, c'est la deuxième cause après la sténose de complications. Tous les services d'urologie connaissent ça et l'arrivée en urgence d'un patient qui n'a pas pu se sonder. La fausse route, soit elle peut être cathétérisée avec ou sans fibroscope et on laisse une sonde pour la laisser cicatriser, soit elle est entre guillemets perdue et il faudra sous anesthésie retrouver le trajet éventuellement par les deux extrémités. C'est quand même probablement plus élevé quand ce n'est pas un tissu comme l'appendice qui a une vraie musculeuse solide et quand c'est un montage du type iléon reconstruit, même si des progrès techniques ont été énormes puisqu'on sait qu'on réduit le taux de fausse route si le trajet est rectiligne et court. Mais on fait de plus en plus ces montages-là chez les patients obèses, donc on prend des montages longs. Je l'ai dit, être rectiligne et éviter les fausses routes. L'incontinence de la stomie, c'est la troisième cause de complications. C'est heureusement pas la plus fréquente, mais c'est la plus handicapante parce que certes, on peut mettre une poche de stomie pour appareiller, mais c'est quand même pas du tout l'objectif de cette thérapie chirurgicale. Les patients sont excessivement gênés. Il n'y a pas d'autre sanction que la reprise chirurgicale. Il a été décrit de faire des injections d'agents de gonflement pour compenser la continence chez ces patients-là, ça ne marche pas. La seule technique, c'est la reprise chirurgicale. Il faut savoir y aller et ne pas avoir d'inquiétude à retourner. On rend service aux patients. Ensuite, il y a les complications du sondage. Eh bien, on l'a vu, quand un patient va se sonder, que ce soit par l'urètre ou surtout par ses stomies, il faut prévenir ces complications. Et cette prévention, ça passe par la bonne sonde, des sondes plus grosses plutôt que plus petites, bien lubrifiées. Quelquefois, les patients vont utiliser un petit dilatateur au niveau cutané quand il y a vraiment une sténose serrée. Quand on a une fausse route, comme je vous l'ai dit, il faut être prêt à prendre le fibroscope, ce qui veut dire consultation d'urologie. Et surtout dans les sténoses de stomie, reprendre l'autosondage à l'ablation de la sonde et augmenter la fréquence qui va résoudre la majorité des problèmes. Bien sûr, dans les problèmes de cathétérisme,
avec d'énormes difficultés à répétition. Les traitements par stéroïdes locaux ont été essayés, mais ne répondent pas toujours à la question. En fait, on s'aperçoit, et toutes les équipes de médecine physique et réadaptation vous le diront, que dans les complications de ces montages, on voit ici une jeune tétraplégique qui saute au son dans l'ombilique, l'éducation, la compréhension du montage, les conseils pré- et post-opératoires, l'éducation thérapeutique, la régularité des sondages, les rendez-vous de suivi sont la clé de la qualité du suivi et la prévention des complications. Donc ça, c'est un message fort et clair. Donc en conclusion, la dérivation cutanée continente, c'est aujourd'hui un montage irremplaçable en matière de chirurgie reconstruction en urologie. Ça permet aux patients de retrouver une autonomie extraordinaire et d'avoir un sondage dans une zone qui n'est pas une zone de pudeur. Les complications locales sont courantes, il faut être prêt à les assumer avec son équipe. Elles sont le plus souvent telles qu'un traitement conservateur suffit, mais il faut savoir reprendre celui qui fuit ou celui qui a fait des fausses routes telles que ça n'est pas rattrapable. Et si je dois résumer pour le chirurgien les éléments de prévention des complications, des incidents, des accidents, ben c'est une technique chirurgicale méticuleuse et une gestion du post-opératoire précoce très attentive, notamment pour la mise en route des sondages. Et chez les patients qui ont des difficultés des membres supérieurs, savoir faire appel à l'équipe de médecine physique et réadaptation. Pour le médecin traitant, au sens large du terme, c'est-à-dire tous les médecins ou non-chirurgiens qui prennent en charge les patients, que ce soit en oncologie, en neurologie, en médecine physique et réadaptation, il faut savoir soutenir le patient dans son choix thérapeutique. Donc, ça veut dire que les médecins doivent avoir compris l'utilité de ces montages et ce qu'ils apportent en qualité de vie. Et ce que je dis est particulièrement vrai, bien sûr, en urologie fonctionnelle, mais encore plus vrai en matière oncologique. Quand les gens ont à subir en parallèle une éventuelle chimiothérapie, la conservation du schéma corporel chez des patients jeunes qui ont à subir le diagnostic d'un cancer à pronostic souvent réservé est particulièrement important. Donc voilà pour les dérivations non continentes. Nous arrivons aux dérivations non continentes. Alors la référence, c'est le Bricaire, hein. C'est un papier des années 1950 qui est un papier, hein, c'est un papier qui est une landmark, comme on dit dans les publications. Et donc ce papier a été republié en 2002 dans le Journal of Urology, comme la majorité des papiers qui font référence dans notre domaine et en matière d'urologie en général. Deux publications qui décrivent très bien ce montage avec un fragment d'iléon, les deux uretères cousus dessus. Et donc une stomie large. Et donc n'oubliez pas que si ce montage a été imaginé, c'est pour éviter de mettre les uretères directement à la peau qui sténosait. Tout orifice sur la peau va sténoser. On le sait que la stomie continente dont on vient de parler, c'est aussi vrai qu'un uretère. Et donc si on a un uretère à la peau, il faut laisser une sonde dedans. Si on n'a pas d'uretère à la peau, on fait un morceau d'iléon. C'est large, ça va se réduire dans le temps, mais pas au point d'empêcher l'évacuation des urines. Donc voilà quelques photos de ce que représente le montage de Bricaire. Vous avez le schéma, vous avez une vision opératoire avec là les deux uretères qui ont été cousues de façon séparée. Et dans les montages fonctionnels, souvent on les met ensemble. Ça s'appelle des anastomoses en canon de fusil ou tête bêche. Et une stomie, quand elle vient d'être faite au bloc opératoire, elle se présente ainsi avec des sondes urétérales qui servent de tuteur à la couture urétéro-iléale. Et la stomie à long terme, vous voyez que ça reste encore là chez certains, et ça se surveille, je vais en dire deux mots. Comment est-ce qu'on peut contrôler qu'un montage comme le Bricaire fonctionne bien? Eh bien, on peut faire une loupographie ou briquérographie qui consiste à injecter un produit de contraste dans le Bricaire et à voir que ça remonte bien dans les reins. Si j'insiste là-dessus, c'est pour rappeler que le montage entre les uretères et le Bricaire, ou la lance idéale, n'est pas un montage anti-reflux, au contraire, on cherche à ce que le système soit refluent et à ce qu'il n'y ait pas de stase d'urine. Petit message, si certains avaient des doutes ici de voir des agrafes, il n'y a pas d'agrafes sur le fond d'un Bricaire, et que des fils pour éviter les lithiases. Donc c'est le premier type de dérivation des urines, la dérivation non continente. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en penser? Eh ben, c'est un montage qui s'appelle le ileal conduit en anglais, qui se fait aujourd'hui de façon beaucoup plus simple qu'il n'a été autrefois. On le laisse dans l'abdomen, on ne fait pas d'extra-péritonisation, on croise l'urtère gauche à droite ou le droit à gauche sous la racine du mésosigmoïde et on fait des anastomoses qui sont terminolatérales ou terminoterminales selon les situations. Donc voilà comment ça se présente en post-opératoire immédiat
avec la cicatrice de la chirurgie, notamment pour l'ablation de la pièce opératoire quand ça a été fait par voie laparoscopique ou robotique. Alors, quelles sont les indications ? Il y en a un certain nombre que j'énumère ici. Je ne vais pas trop insister dessus parce que c'est pas tellement ça ne préjuge pas des complications, mais c'est pour vous dire que les indications sont larges. Dès qu'on ne peut plus gérer le stockage d'urine ou que l'incontinence est débilitante au point que le patient en fait des escarres, ou qu'on est en échec d'une stomie continente, ou qu'il y a une nécessité de fermer l'urètre et que le patient ne veut pas se sonder. Voilà, des dizaines de situations qui font que l'urologue doit connaître et connaît très bien cette chirurgie. Alors, quelles sont les complications ? En tête des complications, les sténoses urétéro-iléales. L'urètre est un organe fragile, pas très bien vascularisé, souvent très abîmé par la pathologie d'origine. Et donc, on va voir qu'il y a un taux de sténose important. On peut avoir des éventrations autour de la stomie, pas toujours facile à gérer. Les troubles métaboliques, ils existaient autrefois et sont devenus rares depuis qu'on sait faire des briquets courts. Et puis, des difficultés d'appareillage si on est mal positionné sur l'abdomen. Le risque de sténose à moyen et long terme, alors j'ai pris ce tableau que j'emprunte à Xavier Gamet dans une autre présentation pour rappeler qu'en fait, il semblerait qu'il y ait un peu plus de sténose sur les vessies neurologiques qu'en oncologie. Et on sait que c'est notamment favorisé par l'inflammation ou la dilatation des uretères. C'est un problème majeur qu'on rencontre tous dans nos équipes. Il n'y a pas aujourd'hui de bonne solution. La seule prévention, c'est la qualité de la suture, la désinfection, de traiter des patients plus tôt dans l'évolution de leur maladie urologique et dans la détérioration du haut appareil. En oncologie, on traite souvent des patients qui ne sont pas encore dilatés et en tous les cas qui n'ont pas eu de phénomène inflammatoire ou infectieux chronique. J'aime ce résumé de la littérature sur les complications du briquaire en matière neurologique. Vous les avez ici qui sont listées, la réintervention, la détérioration du haut appareil, les problèmes de stomie et les révisions, les calculs, les anastomoses urétéro-iléales, les hernies parastomiales, c'est-à-dire les éventrations. Tout ça est résumé dans le très très bon chapitre sur le sujet de la conférence de consensus de 2017 sur le traumatisme médulaire. Et pour vous rappeler qu'effectivement, on n'a pas aujourd'hui de solution idéale qui évite la sténose urétéro-iléale et qu'il faut savoir la détecter et avoir une imagerie du briquaire quelques mois post-op qui servira de référence en cas d'apparition secondaire, ce qui n'est pas rare. Et quand on prend les recommandations sur le briquaire, il est dit qu'il faut l'éviter chez les enfants parce que ça favoriserait la dégradation du haut appareil. Ça, c'est délié à des vieilles publications où ils étaient faits chez des appareils urinaires déjà détériorés. Et on sait que ça ne n'empêche pas la néphropathie interstitielle chronique d'évoluer pour son propre compte, ça peut la ralentir. Quand on ne peut rien faire d'autre, c'est la forme de dérivation à utiliser. On peut utiliser aussi l'iléovésicostomie, mais elle n'est pas vraiment recommandée. En France, on ne la fait pas parce qu'elle n'est pas déclive et qu'il se forme des calculs et que souvent, il faut laisser une sonde. Et donc, en pratique, il faut essayer d'éviter au maximum. Mais quant à la vessie, quand on fait une dérivation cutanée non continente, il s'agit de savoir si on n'enlève ou pas la vessie. En matière de neuro-urologie, il est recommandé de l'enlever. Parce qu'on sait que la vessie isolée peut donner complications à type de pyocyste. Il ne faudrait pas sur du long terme qu'il s'y développe une tumeur. Donc, en conclusion, pour les briquaires, c'est information et surveillance. Les urètres restent très fragiles. Les éventrations, il vaut mieux que ce soit l'urologue qui les gère et on ne les opère que quand les patients sont gênés pour l'appareillage. Je l'ai dit, il faut savoir contrôler à l'ablation des sondes urétérales la nouvelle anatomie pour avoir une référence. À long terme, on surveille la stomie en l'examinant par un toucher stomial annuel ou tous les 2 ans. Et on n'oublie pas de surveiller le haut appareil et la fonction rénale et les lithiases qui peuvent toujours apparaître chez des patients qui ont une ancienneté de la pathologie neurologique qui peut faire qu'ils avaient déjà un risque infectieux rénal pour faire des lithiases. Et pour le médecin traitant, le médecin généraliste, il faut savoir ne pas oublier qu'au-dessus d'un briquaire, il y a des reins et qu'il faut proposer aux patients au moins une fois par an d'avoir un examen de leur fonction rénale. Voilà, j'espère avoir donner la trame des complications incidents-accidents en matière de dérivation en urologie. Je remercie infiniment l'équipe de Quid de l'invitation. J'ai été ravi de partager cette réunion et je vous rappelle que ces réunions sont possibles grâce à de nombreux partenaires dont je rappelle ici le logo du congrès. Je vous remercie infiniment pour votre patience. Bonjour à tous.
tous, je suis ravi de vous retrouver donc, pour cette présentation du Digital Quid, où on va donc discuter des complications, incidents et accidents liés à l'utilisation de dispositifs dits palliatifs que l'on utilise donc dans la prise en charge de l'incontinence urinaire ou de l'incontinence fécale chez nos patients. Des dispositifs qui sont utilisés de façon extrêmement courante et qui échappent souvent, en tout cas pour ce qui est des dispositifs absorbants, à la prescription médicale, mais qui peuvent donner lieu à des complications, donc il est important de pouvoir les connaître et de les traiter, de prévenir leur survenue, de permettre une utilisation optimale et adaptée de ces dispositifs, et puis bien évidemment de prendre en charge les éventuelles complications secondaires. Alors, le premier dispositif dont on discute aujourd'hui, c'est l'étui pénien, qui est un dispositif qu'on connaît très bien, qui est utilisé depuis de nombreuses années, dizaines d'années, centaines d'années, hein, comme en témoigne ce monsieur avec une poche pénienne autour de la taille, avec donc de nombreux designs différents par des fabricants différents également, avec des dispositifs qui vont varier en termes de composition, puisqu'ils peuvent être en latex, mais surtout aujourd'hui en silicone, et ce qui fait donc là déjà écho à un premier type de complications, qui sont donc les complications allergiques, puisque l'allergie au latex est parfaitement connue aujourd'hui, mais il existe aussi des cas d'allergie au silicone. Donc il faudra donc bien veiller à interroger les patients, puis à surveiller l'état cutané local, puisqu'on sait que ces complications allergiques peuvent donner lieu à des complications désastreuses à type d'œdème de Coincke. Des dispositifs qui existent dans des tailles extrêmement variées, ce qui doit permettre de bien sélectionner le dispositif, l'étui pénien, puisque, et ça c'est très important, puisque si on utilise un étui pénien trop grand, ben, en termes d'efficacité, puisqu'on vise à prévenir les conséquences de l'incontinence urinaire, et ben, avec un étui pénien trop grand, on risque fortement de rencontrer des phénomènes de désadaptation et donc en termes d'efficacité thérapeutique, on risque de ne pas être très bon. Et puis, si on utilise un étui pénien qui est trop petit, on va le voir après, ça peut donner lieu à des complications cutanées locales, hein, des blessures au niveau de la verge et qui peuvent se compliquer de façon assez désastreuse. Pour leur mise en place, il peut exister des applicateurs, ça peut être des étui péniens qui vont être auto-adhésifs ou non-adhésifs, et là il faudra utiliser dans ces situations-là des colles spécifiques, ce qui peut donner lieu là aussi à des phénomènes allergiques qu'il faudra surveiller. Alors, c'est un type de dispositif qu'on connaît bien, qui est facile d'utilisation. Oui, mais il est important d'éduquer les patients et les aidants à l'utilisation de ce type de dispositif, puisqu'on en a discuté, il existe des complications cutanées avec des complications allergiques, mais aussi des lésions cutanées qui peuvent apparaître en cas de mauvaise mise en place ou de mauvaise sélection, notamment en termes de taille. Et vous voyez sur les photographies qui sont situées au milieu de la diapositive, eh ben, ça peut donner quand même lieu à des conséquences assez désastreuses, puisque sur cette photographie du haut, ce patient qui avait une gangrène pénienne est décédé secondairement à l'utilisation donc, de son étui pénien qui n'avait pas été utilisé de façon adaptée, probablement un étui pénien qui était trop petit, qui restait en place trop longtemps. Et sur les photographies du dessous, vous voyez donc une nécrose de verge par strangulation, encore dans le même contexte. Donc, très important d'éduquer les patients et de bien sélectionner les dispositifs, notamment en termes de taille, avec l'aide des gabarits de taille qui sont souvent fournis par les fabricants. Sur la droite de la diapositive, vous voyez deux autres types de complications, là, qui sont extrêmement rares, hein, puisque pour chacune de ces complications, il n'existe qu'un seul case report dans la littérature, mais savoir que ça peut exister avec donc des polypes fibro-épithéliaux, là dans ces case reports de Mason, et puis un éléphantiasis, conséquence rare de l'utilisation inappropriée de l'étui pénien chez un patient qui n'avait pas changé son dispositif pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines de tête. Donc, important de bien sélectionner les patients, de bien éduquer les patients et de les réévaluer. Deuxième type de complication qui est liée à l'utilisation de l'étui pénien, les infections du bas appareil urinaire qui peuvent se compliquer par des infections du haut appareil urinaire, bien évidemment, avec des études qui sont quand même relativement anciennes puisque c'est des études qui datent d'avant les années 2000, avec notamment dans cette étude d'Auslander la comparaison
chez des patients institutionnalisés, du nombre d'infections survenues par mois chez un groupe de patients utilisant les épipéniens versus un groupe de patients qui n'utilisaient pas d'épipéniens. Et il existait davantage d'infections urinaires chez les usagers d'épipéniens, notamment pas toujours cognitivement compétents, qui manipulaient le dispositif pendant son utilisation, ce qui pouvait donner lieu là à donc la majoration du risque infectieux. Deuxième type de dispositif, la pince à verge, qui est un dispositif qui n'est pas très utilisé chez des patients qui sont très sélectionnés, hein, des patients qui présentent une incontinence urinaire à l'effort après une chirurgie prostatique. Néanmoins, savoir que ce dispositif peut être à disposition et qui existe là aussi en différents types de design. Vous voyez, c'était tube de Moore qui s'était donc attaché à évaluer le confort, la sécurité d'utilisation et puis la satisfaction des patients qui utilisaient ce type de dispositif. Et manifestement, en termes de sécurité et de satisfaction, c'est le dispositif Cunningham qui est ici entouré en bleu en haut à gauche, qui est le type de dispositif à privilégier. Alors oui, on limite l'incontinence urinaire à l'effort, mais bah, bien évidemment, hein, secondairement aux caractéristiques du dispositif, bah, on va comprimer la filière urétrale, mais on comprime aussi les pédicules vasculaires qui sont au niveau de la verge, hein, comme en témoigne cette étude, notamment de Mandy Feder, sur la droite. Et vous voyez qu'il y a aussi une augmentation de la pression, une compression des pédicules vasculaires, ce qui peut donner lieu là donc du coup à des phénomènes ischémiques en cas de mauvaise utilisation, et puis donc à des nécroses de verge. Donc, Mandy Feder s'est intéressé à évaluer la sécurité d'utilisation de quatre types de pinces péniennes, vous voyez, dans cette étude qui est relativement récente, par l'intermédiaire de critères cliniques, de critères biologiques, de critères échographique et Doppler. Et donc, elle a évalué sur une durée d'utilisation de 50 minutes la variation de différents critères et a mis en évidence qu'il existe une altération, bien évidemment, du flux circulatoire, ça on le sait, avec l'utilisation de la pince pénienne, un afflux de cytokines pro-inflammatoires pendant le temps d'utilisation qui était là de 50 minutes, mais que l'ensemble des variables d'intérêt revient à sa valeur de base 40 minutes après le retrait du dispositif, ce qui fait donc conclure à Mandy Feder et son équipe que l'utilisation de la pince pénienne peut se faire en toute sécurité chez des patients sélectionnés, surtout cognitivement compétents, pour une durée maximale d'utilisation de 1 heure. Alors, ça pose question, puisque certains fabricants peuvent recommander l'utilisation jusqu'à 3 heures, mais aujourd'hui, on n'a pas de données dans la littérature qui nous permettent de nous assurer de l'utilisation en toute sécurité jusqu'à 3 heures de ce type de dispositif. Quand même à rappeler que la tolérance est quand même relativement médiocre, mais que ça peut rendre service notamment pour des activités assez courtes chez des patients, puisqu'on a des phénomènes quand même douloureux, et puis ça peut se compliquer, on l'a dit, d'ischémie, d'œdème, de nécrose, voire de fistule en cas d'utilisation prolongée. Donc, contre-indication absolue chez les patients qui présentent un trouble de la sensibilité au niveau de la verge, et bien sûr, de troubles cognitifs. Je remets ici les conclusions de l'ICI en 2017. Utilisation chez les patients cognitivement compétents, sans troubles sensitifs, sans troubles cutanés ou muqueux au niveau de la verge, pour des patients qui vont être entraînés par un personnel spécifique, médical, paramédical, et puis pour une utilisation donc de courte durée. Enfin, les protections absorbantes. Alors, il n'y a pas lieu ici, il n'est pas question de redétailler les différents types de protections absorbantes, hein, les serviettes, le type de couche, les usages uniques, les réutilisables. Simplement ici, pour vous souligner qu'il existe depuis juillet de cette année un rapport sur la terminologie pour l'utilisation des protections absorbantes à usage unique. Donc, je vous encourage à aller voir pour ceux que ça intéresse. Et puis, en ce qui concerne donc les complications qui vont être liées à l'utilisation de ces protections absorbantes, eh bien, les complications qu'on retrouve en premier lieu, et on va voir que c'est quand même relativement fréquent, c'est les complications cutanées, au premier rang desquelles on retrouve l'incontinence associative dermatitis. On discutera aussi brièvement des allergies de contact et puis des escarres qui peuvent être aussi liées à l'utilisation de ces protections absorbantes. Mais on va vraiment faire un focus sur l'incontinence associative dermatitis, qui est donc une entité clinique qui est bien décrite maintenant dans la littérature, qui fait partie des moisture associated skin damage.
où on va retrouver également la fameuse diaper dermatitis de l'enfant, hein, avec ses fesses douloureuses, érythémateuses. Mais en fait, ces deux entités, l'IAD et la diaper dermatitis, sont les mêmes, simplement la population concernée diffère puisque dans l'une, il s'agit des enfants et dans l'autre, plutôt de la personne âgée. Voilà. Donc, une complication qui est quand même relativement fréquente, hein, vous le voyez, suivant les études de 5,6% à 50%, donc très très fréquente. Nous, on connaît quand même plutôt bien ça dans les services de MPR chez les patients handicapés avec une mobilité restreinte, une perte d'indépendance importante, et qui va être donc liée d'une part à l'utilisation de la protection absorbante, mais aussi à différents facteurs favorisants. Le microclimat local avec l'augmentation de la température locale, la modification du pH par l'intermédiaire du contact avec les urines et les selles, l'humidité ambiante, des facteurs mécaniques de friction, de striction, d'abrasion et des facteurs biochimiques avec la prolifération bactérienne, la prolifération fongique, l'urée locale hein, qui vraiment va modifier, altérer la barrière cutanée. Et puis quand on regarde un petit peu dans la littérature, on voit que vraiment en termes d'incontinence, c'est l'incontinence fécale et en particulier en cas de selle diarrhéique qui va favoriser le plus souvent la survenue de ce type de complications. On retrouve également les altérations de l'état général avec un mauvais statut nutritionnel, les altérations de la barrière cutanée avec une fragilité cutanée qu'on peut retrouver chez les patients diabétiques ou alors chez les patients qui utilisent des corticoïdes au long cours. Et puis, on l'a déjà dit, la perte d'indépendance, la mobilité réduite et les troubles cognitifs qui sont des facteurs favorisants de survenue de ce type de complications. Alors, cette belle étude de Dimitri Beckmann hein, qui développe bien la pathogenèse, les facteurs favorisants, la prévention à mettre en place et le management de cette incontinence associative dermatitis. Et je la cite ici, et je vous encourage à aller la voir parce que Dimitri Beckmann est à la tête d'une équipe belge qui travaille à Gand et qui a donc élaboré un score de cette incontinence associative dermatitis qui permet de savoir un petit peu de quoi on parle et qui va permettre aussi, bien évidemment, d'orienter la prise en charge spécifique de cette complication. Donc, on ne va pas tout dire ici, hein, simplement pour vous dire que ce score est divisé en 4 sous-catégories avec donc au stade 1A, une rougeur persistante sans signe clinique d'infection et au stade 2A, une rougeur persistante avec des pertes de peau sans signe clinique d'infection et puis leur équivalent au stade 1B et 2B avec des signes cliniques d'infection. Alors, comment on prend en charge cette incontinence associative dermatitis? Bien évidemment, dans un premier temps, la prévention. Hein. On évite d'utiliser de l'eau à profusion et du savon, puisque ça va avoir tendance à sécher la peau. Et puis, la peau sèche est un facteur favorisant de survenue de cette dermatose. Donc, on utilisera au mieux des produits nettoyants sans rinçage. S'il faut utiliser de l'eau et du savon, on essaie de les utiliser dans des quantités minimales efficaces. Le séchage, il ne se fait pas en frottant de façon vigoureuse les fesses, mais en tamponnant. Et puis, on peut utiliser aussi des produits topiques, des crèmes hydratantes que l'on va appliquer une à deux fois par jour en s'assurant que la peau est bien sec lorsqu'on va remettre en place la protection. Et puis, des topiques protectrices, principalement des dérivés d'oxyde de zinc. Le problème, ce sont des dérivés qui sont un petit peu pâteux et parfois un petit peu difficiles à nettoyer. Donc là, on risque de tomber dans un cercle vicieux si on utilise ce type de topique, mais ça peut tout à fait être fait. On prendra aussi en charge, bien évidemment, les facteurs favorisants en optimisant le traitement de l'incontinence, hein, qu'elle soit urinaire ou fécale. L'objectif est de maintenir le périnée au sec, donc on peut utiliser pour cela d'autres types de dispositifs. Donc, je vous ai mis ici à droite hein, les obturateurs anneaux qu'on connaît parfaitement, les collecteurs anneaux fécaux hein, qui sont proposés par Hollister, notamment en cas de diarrhée aiguë extrêmement abondante, ça permettra justement de maintenir le périnée au sec. Donc, il faut savoir que ce type de dispositif existe. Et puis, l'autre dispositif qui est le plus à gauche avec ces deux disques en silicone, qui est le dispositif Renew, mais qui n'est pas encore disponible en France. On prendra bien évidemment en charge l'état nutritionnel du patient. Et puis, lorsque les lésions cutanées sont présentes, eh bien, c'est le même traitement que le traitement préventif. Et s'il y a des signes de surinfection, on peut utiliser bien évidemment des antifongiques, ce qui est relativement fréquent, voire une antibiothérapie à discuter, mais là,
peut-être après avis dermatologique, et on peut ici aussi utiliser en association aux antifongiques des dermocorticoïdes. Donc je vous encourage à aller voir la publication de Dimitri Beckmann, voir cette publication aussi de Bill de 2018 qui décrit parfaitement les options, en tout cas de traitement pour cette IAD. On l'a dit tout à l'heure, risque d'allergie à l'utilisation des protections absorbantes. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la protection absorbante en elle-même qui va être responsable des allergies de contact, et c'est plutôt l'utilisation des topiques associés aux protections, voire la présence de parfums dans des protections, ce qui ne se retrouve plus trop maintenant dans les dispositifs qui sont proposés et que l'on peut trouver à l'hôpital ou en pharmacie, puisque en fait, il faut savoir que ces protections sont constituées de superpolymères. C'est ça qui absorbe, en fait, hein, c'est le dispositif qui va absorber vraiment l'urine et alors les selles dans une moindre quantité, et ces superpolymères ne franchissent pas finalement la barrière cutanée, et donc ne peuvent pas théoriquement donner lieu à des phénomènes d'allergie locale, sauf si on a bien évidemment déjà des lésions cutanées. Néanmoins, voilà, c'est plutôt les topiques qui vont être utilisés en association, voire les parfums qui vont être présents dans ces protections, qui peuvent donner lieu à des réactions allergiques locales. Concernant le risque d'escarre, une étude voilà, qui retrouvait une majoration, un surrisque d'escarre en cas de l'incontinence associative dermatitis versus des patients qui utilisaient aussi des protections et qui n'avaient pas cette IAD, probablement parce que cette IAD va fragiliser davantage la barrière cutanée et pourrait donc fragiliser aussi la survenue d'escarre. Deuxième type de complication qui va être lié à l'utilisation de ces protections absorbantes, les complications infectieuses très rapidement, en particulier du bas appareil urinaire. Vous voyez dans cette étude, là, chez des patients institutionnalisés par la création de gîtes microbiens, l'augmentation de la macération locale, et puis surtout en cas d'incontinence anale associée. Voilà, tout simplement, la majoration du risque infectieux, en particulier les infections du bas appareil urinaire en cas d'utilisation de protection absorbante. Donc en conclusion, c'est des complications qu'on connaît finalement plutôt bien, qui sont quand même parfois fréquentes, hein, au premier rang desquelles on va retrouver les complications cutanées, notamment chez les usagers des tupéniens et puis chez les usagers de protection absorbante. Il est important de bien sélectionner, d'éduquer et de réévaluer les patients, notamment pour les dispositifs type tupénien et pince pénienne, bien connaître les contre-indications. Hein, les troubles de la sensibilité dans la pince pénienne, ça c'est une contre-indication absolue. Et puis connaître les entités cliniques. Bon, là je fais principalement référence à la dermatite liée à l'incontinence, l'incontinence associative dermatitis, pour bien la traiter. Et puis si on n'est pas capable de bien la traiter, il ne faut pas hésiter à faire appel au dermatologue. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous les trois et merci de vous prêter à ce jeu des questions-réponses après les très brillants et sympathiques et exhaustifs présentations que vous avez faites. Alors peut-être honneur aux dames, Frédéric, on va commencer par vous si vous le voulez bien. D'abord, bravo pour la présentation parce que c'est jamais bien facile, hein, c'est toujours des sujets un peu difficiles. Merci d'avoir rappelé que l'incontinence urinaire n'est pas l'indication de la sonde à demeure, hein, et que c'est bien la rétention, même si malheureusement, parfois, ce type de solution est choisi, je veux dire, de guerre lasse par le personnel dans certains services, notamment des services de long séjour. On a bien vu dans votre exposé tout ce qui est infection, lésion urétrale, hyperactivité vésicale. Et à ce propos de l'hyperactivité vésicale, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, et Emmanuel peut bien évidemment intervenir dessus, sur des données éventuellement cystoscopiques après ces ports de sonde à demeure. Et on nous demande souvent, quand les patients sont sondés, tiens, on vous l'envoie en bilan urodynamique pour voir si les mictions vont reprendre. Alors, est-ce qu'il y a des préconisations particulières? Est-ce que l'urodynamique est interprétable? C'est toujours un peu les mêmes questions. Frédéric? Alors oui, bien évidemment, le fait d'avoir le port d'une sonde à demeure au long cours va modifier les propriétés viscoélastiques de la vessie. On sait bien qu'une vessie, finalement, qui perd ses capacités d'alternance, là, de vidange et de miction, vont modifier les données cystomanométriques.
Il n'y a pas grand intérêt à faire un bilan urodynamique chez un patient qui porte une sonde urinaire à demeure, et il est absolument nécessaire de retrouver des cycles de, entre guillemets, continence miction ou continence sondage si le patient est en rétention complète pour pouvoir rendre une systématométrie interprétable. On a une vessie qui est déshabitée lorsqu'il y a une sonde à demeure, et le risque de faire une systématométrie dans ce sens-là, bah, c'est de voir finalement un pseudo-trouble de compliance hein, qui est lié à l'absence de distension vésicale lors du port de la sonde urinaire à demeure. D'où la nécessité, effectivement, de recommander à chaque fois qu'on fait un bilan urodynamique d'avoir, en général, entre, dans l'idéal, une semaine. Souvent, c'est plutôt lors de 3-4 jours parce que les conditions médicales sont le plus appropriées sur la réalisation d'hétérosondages. Donc, aucun intérêt à faire un bilan urodynamique chez un patient qui porte une sonde à demeure sans qu'on ait retiré la sonde à demeure. C'est vrai que le délai de 5-6 jours, c'était le délai qui avait été retrouvé dans un vieil article de Pierre Denis à une certaine époque. Emmanuel, tu veux intervenir sur les données endoscopiques? Oui, bah, c'est sûr que quand on voit les lésions endoscopiques induites par les sondes à demeure, ça crée des lésions inflammatoires caractéristiques. Il y a trop souvent d'indications de biopsie de vessie posées par des collègues qui voient des lésions inflammatoires alors que le patient est en sonde à demeure. Il faut savoir simplement refaire une endoscopie quelques semaines plus tard. Soit d'ailleurs quand la sonde est toujours là, les lésions auront changé, soit quand elle a été enlevée. Et ça explique bien par un aspect macroscopique ce qui peut se passer au niveau purement urodynamique. Hein. Il y a une inflammation qui est caractéristique. Et puis on n'oubliera pas que la sonde à demeure, ça décompense les systèmes anti-reflux. Donc quand on a une sonde à demeure, en 48 heures, on est potentiellement refluent quand on remplit la vessie. Donc toutes ces lésions, qu'elles soient bien vues par l'endoscopie ou constatées par l'urodynamique, poussent à ne pas laisser les sondes à demeure, bien évidemment, et à ne pas explorer dans la foulée d'une sonde qui n'a pas été retirée depuis assez longtemps. Hein. Frédéric, en pratique, qu'est-ce qui est le plus simple de gérer, vous pensez, à l'hôpital, mais aussi en ville, une sonde à demeure ou un cathéter suspubien? Ben, ça dépend, je pense, du patient, de l'entourage. C'est vrai que un cathéter suspubien sera certainement moins délétère chez un homme, notamment pour tout ce qui est les lésions de verge. Le problème du cathéter suspubien, c'est que la gestion à domicile est quand même un peu plus compliquée. Il faut que le patient revienne à l'hôpital pour faire le changement de cathéter, même si un changement de cathéter est quand même excessivement simple. Donc oui, en pratique, la gestion de la sonde à demeure peut être plus simple à domicile. Et encore que, on se retrouve quand même à domicile avec les infirmières, avec des difficultés chez l'homme notamment, pouvant être liées au changement de la sonde à demeure. Je parle surtout chez l'homme parce que quand même vraiment, chez la femme, ce n'est pas tout à fait la même chose. On voit bien quand même que la gestion de la sonde à demeure est quand même peut-être un peu plus simple à domicile. C'est quand même assez facile à changer. Et on peut imaginer que. Et d'ailleurs, on le voit bien souvent, hein, des femmes chez qui on va proposer un cathéter suspubien vont assez rapidement revenir sur la sonde à demeure parce que la gestion est quand même plus simple à domicile avec les changements faits par les infirmières. T'as des commentaires, Emmanuel, dessus? Oui, bah, après ça dépend quelle est la perspective. Si c'est la perspective de l'urologue, il vaut mieux une sonde à demeure qu'un cathé suspubien parce que le cathé, il va nous revenir toutes les 4 à 6 semaines pour changement parce que les personnels de ville n'ont pas l'autorisation officielle de changer ces sondes, même si une fois que le trajet est constitué, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas compliqué à faire. Après ça, si on se place en perspective du patient et des lésions induites, il vaut mieux un cathé suspubien. Ça évite les lésions de destruction d'urètre chez l'homme ou chez la femme. Hein. 15 jours de sonde à demeure peuvent chez une femme détruire le col vésical et les fonctions de continence. Et chez l'homme, les altérations sont plus souvent visibles sur l'urètre distal et l'hypospade acquis. Donc, c'est sûr qu'à choisir, il vaut mieux un cathé suspubien. En termes de gestion, on rentre dans des problèmes réglementaires qu'il faudrait un jour faire bouger d'ailleurs. Merci Frédéric, merci Emmanuel pour ces commentaires. Ben, si vous le voulez bien, on va continuer par Emmanuel et sa présentation sur les complications, incidents, accidents des dérivations. Tu as évoqué les lithiases dans les agrandissements, dans les entérocystoplasties. Tous les combien tu penses qu'il faut les évaluer dans ta pratique? Tu les évalues tous les combien et avec quoi? Une simple échographie avec, Alors, il y a deux situations. On parle des ithiases dans les entéroplasties d'agrandissement. Il y a deux situations. Il y a l'entéroplastie d'agrandissement avec stomie continente ou par sondage par l'urètre natif. Le taux de lithiase n'est pas du tout le même et on sait qu'il y a 25% de lithiase quasiment à 5 ans
sur des stomies continentes parce qu'il y a un drainage qui est beaucoup moins déclive, le siphonnage se fait moins bien. Alors, comment les surveiller? Ben, c'est échographie annuelle de la vessie, sûrement pas un scanner pour des lithiases de vessie en routine. L'écho a un inconvénient qu'elle ne fera pas la différence forcément entre le paquet de mucus encore un peu mou et le calcul bien constitué, mais dès l'instant il y aura quelque chose à l'écho, on fera une endoscopie. L'endoscopie annuelle recommandée de façon globale s'espace souvent parce que ce n'est pas réalisable, mais tous les 2 ans, tous les 3 ans, on ne passera pas à côté d'une grosse lithiase, c'est évident. En tous les cas, sur les stomies continentes, il faut être beaucoup plus strict. Parce que surtout si le col est fermé, les moyens d'enlever ces lithiases sont complexes. Donc, il faut les enlever dès qu'elles apparaissent et le plus petit possible. Donc là, c'est tous les ans, endoscopie, échographie, quoi qu'il arrive. Et ça, on essaye d'être assez strict avec les patients, même si on sait c'est eux qui échappent rapidement quand ils vont bien. Merci. Une deuxième question. Tu as largement évoqué les complications de type sténose dans ces dérivations. Est-ce que c'est pareil chez le central et chez le périphérique, parce qu'on sait que chez le central, par exemple, ils ont des anomalies vasculaires et tu as beaucoup insisté sur ce type de mécanisme physiopathologique, et chez le périphérique, il y a des problèmes trophiques. Dans ton expérience, qui est grande là-dessus, est-ce que tu les vois plus, grosso modo, dans les queues de cheval ou plus chez les blessés médulaires hauts, ces sténoses, ou c'est pareil? Alors, c'est une bonne question, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait cherché à faire la différence dans notre expérience. Je pense que c'est vraiment pareil et que c'est plus des problèmes de peau. Alors, qu'il y ait un impact de la dysautonomie ou du niveau de lésion, c'est possible, mais j'en ai aucune idée. Je n'ai pas notion que ça soit rapporté. En revanche, clairement, on est inégaux dans la cicatrisation cutanée. On fait beaucoup ces montages-là aussi aux patients oncologiques, hein, femmes qui ont des tumeurs de vessie, et on en voit qui ne font pas une sténose, qui ont une superstomie, et d'autres, pour la même chirurgie, qui vont développer des bourgeons nécessitant des exérèses locales, pas compliquées, mais toujours gênantes pour les patientes. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de moyen de prévenir ou surtout de prévoir en fonction du type de lésion, malheureusement. Merci. Tu as rappelé que le montage du briquet est par essence refluent. Oui. Est-ce que chez ces patients neurologiques, hein, je parle du neurologique, il peut quand même avoir des problèmes de lystiage, je suppose, voire de sténose de l'urethère. Tu le dépistes, tu l'évalues d'une manière récurrente et comment tu le fais? Parce que tu nous as montré des très belles radios où tu injectes quelque chose par l'orifice du briquet. C'est uniquement ça ou c'est un uroscan ou comment on fait nous en pratique? Alors c'est vrai que, et surtout en monde urologique, le fonctionnement du briquet n'est pas toujours bien connu ou bien compris. Le briquet, c'est un drainage à la fois déclive, donc il faut un tube qui ne va plus directement à l'extérieur et qui ne passe surtout pas par le petit bassin où ça stagnerait, et puis un tube qui est péristaltique, que ce soit l'urètre ou le tube de grêle. Donc c'est une expulsion active de l'urine et pas par déclivité comme beaucoup le pensent. Doit-on dépister les sténoses? Bien sûr, les sténoses urétéro-iléales, c'est le problème majeur du briquet qui n'est absolument pas réglé, qui n'a pas changé dans le temps. On le dépiste par des échographies annuelles. Et là, c'est un petit peu comme la question sur les stomies continentes. Vous avez des patients qui ont 20 ans de briquet qui n'ont jamais fait un souci, et d'autres qui, dès la deuxième année, alors que tout allait bien, vont commencer à développer des dilatations et des sténoses. Et donc, ces patients-là, il faut absolument les dépister, surtout avant que la sténose soit trop serrée et qu'il y ait une atteinte rénale irréversible. Et ça sera des montées de sondes et des changements de sondes réguliers. Après ça, pour ce qui est de l'orifice cutané, pareil, il faut dépister. Alors ça, c'est examen annuel de la stomie. On insiste beaucoup là-dessus. Les stomies se réduisent à l'orifice cutané, rarement, puisque le taux est de moins de 1% de reprise locale pour sténose de l'orifice cutané, mais suffisamment handicapante sur le plan de la stase et de l'infection pour qu'on le repère. Merci. Un tout petit mot sur accouchement et dérivation, parce que de temps en temps, on a ces patientes, hein, notamment des patientes jeunes, qui, par exemple des spina, hein, qui vont devenir maman. Et il y a des précautions particulières, je suppose Oui, il y a d'abord celle infectieuse de la grossesse. Donc ça, les obstétriciens et les spécialistes que vous souhaitez tous et que nous sommes tous savent dire à ces patientes que la surveillance infectieuse est particulièrement importante. En revanche, il faut voir en fin de grossesse sur les entéroplasties, bien sûr, on leur demande de se sonder plus souvent. Sinon, j'allais dire, elles sont comme les autres, avec les mêmes symptômes, mais qu'elles ne ressentent pas. Donc, le sondage plus fréquent doit être absolument proposé, la surveillance bactériologique,
Et le jour de l'accouchement, quel que soit le mode d'accouchement, la vessie doit absolument être vidée et maintenue vide pendant tout l'accouchement. C'est une règle qui est connue par les obstétriciens, mais qui doit être rappelée encore plus avec les entéroplasties. Merci. Dernière question, et c'est une question beaucoup plus générale, c'est une question que l'on se pose assez souvent. Est-ce que tu penses qu'on ne fait pas parfois trop tard les briquets ? Quand on voit la qualité de vie que les patientes et les patients, d'ailleurs, nous disent après en disant « Mais mon Dieu, pourquoi vous ne me l'avez pas proposé plus tôt ?» Ou « Si j'avais su, je l'aurais accepté plus tôt. » Est-ce que c'est un peu ton expérience actuelle de ça ? Parce que nous, on est en train de vivre ça un peu. Je, en entendant la question, je croirais me rappeler certaines discussions du Genulf avec l'indication du briquet dans certaines pathologies démyélinisantes ou neurologiques, disons, à peu près stables. Bien sûr, on le fait toujours trop tard. Les patients le disent tous, ils le disent tous. Alors, peut-être qu'ils ne le disent pas autant quand ils font des complications, mais comme toute chirurgie fonctionnelle, on n'a aucun moyen de dire aux patients qu'il faut faire à un moment donné parce que plus tard, ça pourrait être plus complexe ou qu'ils n'en profiteraient pas en termes de qualité de vie. Je prends un exemple urologique qui est fréquent, nous, c'est l'incontinence masculine et le sphincter artificiel. Tous les hommes qui ont une incontinence après prostatectomie qui sont une indication de chirurgie reculent plusieurs années. Et quand ils reviennent toujours, ils regrettent toujours de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais nous n'avons pas, je ne me sens pas le droit de dire à ces patients, il faut vous faire opérer à une date beaucoup plus précoce que le moment où ils se sentent mûrs. Donc oui, on le fait trop tard, et oui, les patients ont besoin de maturer la décision. Donc, dans ma stratégie personnelle, je ne force jamais, et je dis revenez quand vous voulez, même si j'ai mon sentiment quelquefois qu'ils vont attendre trop. Alors bien sûr, quand même, le haut appareil peut être un argument. Hein. Non, mais ça, on était d'accord, on était dans les indications. Oui. Merci Emmanuel. Gabriel, quelques questions sur votre présentation qui était difficile, mais qui a été bien évidemment parfaitement réalisée et très, très, très instructive. Vous nous avez montré des photos édifiantes hein, de ces complications cutanées, de ces nécroses, ces gangrènes après Pénilex, après étupénien. Pouvez-vous dire un mot sur l'intérêt de l'éducation thérapeutique ? Là, je pense que pour le coup, le team infirmier et l'éducation du patient est sûrement d'un apport pour éviter peut-être ces complications. Il y a eu des études dessus sur l'apport de l'éducation thérapeutique ou des comparaisons dans des services spécialisés versus soins de suite où on met un étupénien peut-être comme ça ? Alors, bien évidemment, donc, les complications, vous le soulignez, édifiantes avec les nécroses secondaires à une utilisation inappropriée des épupéniens, bon, c'est quand même des complications qui sont sporadiques, c'est pas des complications qui sont très fréquentes, mais qui doivent être évitées, puisqu'elles sont faciles à être évitées. Donc, c'est important d'éduquer les patients, l'entourage des patients, les premiers aidants, et que le personnel infirmier qui prend en charge les patients, si ce n'est pas les patients qui utilisent eux-mêmes ces dispositifs, soit bien alerté et averti sur l'utilisation de ces dispositifs. Donc, je soulignais effectivement l'éducation. Non, il n'y a pas d'études dans la littérature pour vous répondre sur comparaison d'une population qui va avoir bénéficié d'une éducation avec un service spécialisé versus un service de soins de long séjour, des choses comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Alors après, comme je l'ai dit dans la présentation, c'est des complications qui existent, mais qui sont rares sur des utilisations des dispositifs qui sont mauvaises. L'exemple typique, c'est le dispositif qui va être utilisé sur une période parfois de plusieurs jours d'affilée, un dispositif inadapté en termes de taille qui va induire des lésions cutanées, des choses comme ça. Donc, effectivement, l'éducation est importante pour apprendre aux patients à utiliser le dispositif ou son entourage. Après, il n'y a pas de données dans les littératures qui permettent de différencier si les patients qui ont bénéficié de la mise en place de ces dispositifs-là, que ce soit de la pince à verge ou des tupéniens. Après, la pince à verge, je pense que c'est une utilisation qui est bien plus spécifique, qui est bien plus encadrée que les tupéniens, mais on n'a pas de données aujourd'hui de comparaison. En restant dans les études, on va dire, prospectives, est-ce qu'il y a des études sur les protections, sur les couches, de comparer les différents types de couches vous avez rappelé l'histoire des colorants, l'histoire des parfums qui pouvaient être allergisants, etc. Est-ce qu'on a comparé différents modèles et différents, voire différentes marques? Alors effectivement, il y a finalement, c'est un sujet qui est quand même assez peu développé
dans notre pratique quotidienne, ou en tout cas dans les études. Et finalement, on voit qu'il y a quand même, quand on cherche bien, il y a quand même pas mal de réponses. Il y a eu deux Cochrane, hein, sur les comparaisons de dispositifs absorbants, à la fois de l'incontinence urinaire, de l'incontinence fécale ou les deux, ce qui prouve bien quand même qu'il y a quelques données. Alors oui, on a comparé des dispositifs entre eux en termes d'efficacité, en termes de confort, en termes de complications, en particulier cutanées, à savoir que l'efficacité, ça peut être prévenir la fuite ou prévenir les conséquences odorifères de la fuite, qu'elle soit urinaire ou fécale. La problématique de ces dispositifs et de leur comparaison, c'est que c'est des dispositifs qui évoluent rapidement en termes de design, en termes de composition, et que finalement, aujourd'hui, en tout cas en France, c'est un peu moins vrai dans les pays anglo-saxons, les fabricants ne sont pas forcément tenus de décrire exactement la composition des dispositifs, ce qui rend vraiment leur comparaison en termes de capacité d'absorption difficile, ce d'autant que, par exemple, puisque c'est ça vraiment pour l'incontinence urinaire, hein, qu'on va vouloir en priorité, c'est l'absorption et prévenir les conséquences de la fuite, eh bien, ça reste aussi des tests de laboratoire. Ce n'est pas des tests qui sont faits en situation de vie réelle, et ça, c'est quand même la principale problématique de comparaison des dispositifs entre eux. C'est effectivement pas des médicaments, même si on les prescrit, c'est pas remboursé et ça pose le problème de la validation de tous ces outils, hein, parce que ça nous reste des outils malheureusement thérapeutiques. J'ai une dernière question sur la pince à verge, parce que c'est vrai qu'on l'utilise pas beaucoup et que s'il y a une incontinence urinaire importante, c'est plutôt, on va adresser ces patients à l'urologue pour des ballonnets, des sphincters artificiels, etc. Et en parlant vous avez rappelé toutes ces complications effroyables, hein, ces sténoses, ces fistules au niveau du urètre sur les corps de pince à verge prolongées. Est-ce que vous avez vu dans les littératures ou sur des essais qui seraient à venir des espèces de pince à verge qui seraient asservies en termes de pression, un peu comme les sphincters artificiels que mettent les urologues, c'est-à-dire que d'avoir une pression qui soit secondaire, par exemple, à la pression intra-abdominale ou par un vague ENG abdominal, etc., etc. Parce que ça serait un dispositif, pour le coup, qui permettrait d'avoir une faible pression quand il n'y a pas besoin, comme pour un sphincter artificiel au niveau de l'urètre, pas besoin d'avoir une forte pression quand on est au repos. Et dès l'instant, on va commencer à faire un mouvement. À ce moment-là, la pince pourrait être un peu plus serrée. Vous avez vent de ça ou non? Alors effectivement, ce serait un dispositif qui serait très intéressant en termes justement d'adaptation des pressions et qui préviendrait probablement les conséquences vasculaires locales, voire trophiques de son utilisation. Alors non, moi, les études que j'ai pu voir dans la littérature sont des études sur les designs de pinces à verge qui existent déjà. Je n'ai pas vu ce type de dispositif. Alors, je ne sais pas si M. Chartier-Casler pourra apporter une précision s'il a connaissance de ce genre de dispositif un peu plus novateur. Mais pas moi en tout cas. Tu utilises des pinces à verge, Emmanuel? Alors oui, on les utilise de façon… D'abord, des patients les trouvent tout seuls parce qu'ils trouvent ça sur Internet. Ensuite, oui, on les propose aux patients pour lesquels les études péniennes ne tiennent pas en attente de la chirurgie. Et paradoxalement, quelquefois, en attente de la chirurgie, les patients ne s'en trouvent pas si mal que ça. Alors, les deux limites, c'est les patients qui ont une sensibilité, c'est la douleur liée à la pression de la pince, qui heureusement sert de prévention de la pince trop prolongée qui pourrait escarifier la verge. Il y a des modèles de pince à verge avec des coussinets et une espèce d'adaptation de la pression par serrage calibré qui ont été faites par des Américains, mais il n'y a rien de numérique là-dedans ou d'électronique. C'est purement le patient apprend à connaître la bonne taille pour la bonne activité. Bon, ça reste un facteur compressif et un risque local qu'il faut maîtriser. Il faut des patients intelligents, il ne faut pas des patients insensibles à qui une tierce personne mettrait ça et qui la laisserait trop longtemps, ça c'est sûr. Merci Emmanuel, ces commentaires. Il me reste à vous remercier tous les trois pour, encore une fois, vous êtes prêtés à ces questions-réponses et avec des réponses tout à fait instructives. Merci à tous les trois et bonne fin de congrès. Au revoir. Au revoir. Au revoir.